Our next speaker will be Tufile Dagiru. Please come to the speaker's desk. Mr. Dagiru is an author, a philosopher, and activist. He is one of the most known proponents of anti-natalism. For the benefit of the planet threatened by overpopulation and children born into detrimental world, he takes a stand against the procreation of mankind. You have 5 minutes, sir. I will speak in the name of the unborn, so. Chers délégués, vos interventions durant ce week-end l'ont prouvé à suffisance. Nous vivons dans un monde de bourreaux, de victimes, d'injustices, d'inégalités, de viols, de violences et de souffrances sociétales sans nom. Pour ne rien dire des maladies, catastrophes naturelles, cancers et autres dépressions qui dévastent quotidiennement notre malheureuse humanité. Qu'en est-il dès lors de l'intérêt supérieur de l'enfant que nos sociétés prétendent désormais respecter? L'intérêt supérieur de l'enfant est de toute évidence de ne pas voir le jour dans un monde aussi tragiquement douloureux que le nôtre. Je propose donc d'inscrire dans notre charte pour le 21e siècle que le premier droit de l'homme devrait être de ne pas naître. Si par malheur, ce premier droit se trouve bafoué, le second droit de l'homme devrait être d'avoir des parents de qualité, non seulement aimants et non violents, mais aussi compétents sur le plan éducatif. À cet effet, une formation scolaire à la parentalité serait la bienvenue dans le cadre des cours obligatoires dispensés à l'école secondaire. Il serait indispensable aussi que chacun se pose cette question avant de procréer. Mon enfant sera-t-il heureux de m'avoir comme parent? Au vu du nombre incalculable d'individus stupides ou carrément malveillants qui peuplent notre planète, il est permis d'en douter. En vérité, l'enfant est un cadeau que les parents se font à eux-mêmes par pur égoïsme, sans autre souci que de se faire plaisir et sans aucune considération pour le bien de l'enfant à naître, quitte même à procréer en temps de guerre ou dans une société aussi monstrueuse que la nôtre. Le troisième droit de l'enfant, de l'homme, devrait donc être de pouvoir déposer plainte contre ses parents si l'on s'estime lésé par le fait d'avoir reçu l'existence et que l'on ressent moins la vie comme un cadeau que comme un insupportable fardeau. Si ne pas naître est bel et bien dans l'intérêt supérieur de l'enfant, refuser de donner naissance à un nouvel enfant est également très profitable à l'environnement. Tous les scientifiques l'admettent, la surpopulation est le principal facteur d'éradication de la biodiversité. Or, on constate qu'en matière de procréation, les femmes préfèrent la qualité à la quantité. Lorsque les femmes disposent librement de leur corps et ont accès au planning familial, elles font le choix d'infliger la vie à très très peu d'enfants. 1,5 enfants en moyenne par femme en Europe, soit bien en dessous du seuil de renouvellement des générations. Autrement dit, si on laisse faire les femmes, elles font spontanément décroître la population mondiale et la conduisent lentement mais sûrement à une paisible extinction. Le féminisme est donc bien la clé solaire d'un dénatalisme salutaire et libertaire. Il me semble donc essentiel d'inscrire dans notre charte que le droit de toutes les femmes devrait être de disposer d'un accès inconditionnel et gratuit à la contraception, à l'avortement, ainsi qu'à la stérilisation volontaire, tout aussi gratuite et inconditionnelle pour celles qui le désirent. Ce droit à la stérilisation volontaire inconditionnelle doit aussi s'appliquer à ceux qui le désirent. Gloire à la vasectomie, chers messieurs. Je propose en conséquence de modifier la motion 5.3 et de la formuler comme suit. Le droit à la vie et à l'intégrité physique doit valoir pour tous les hommes ainsi que pour tous les animaux déjà nés. Déjà nés. En ce qui concerne les humains pas encore nés, le droit à ne pas naître doit primer sur tous les autres droits et être favorisé par l'accès inconditionnel et gratuit à la contraception, à l'avortement et à la stérilisation volontaire. J'espère vivement que vous me suivrez sur tous ces points qui relèvent de l'éthique la plus fondamentale. Il faudra tout de même bien en finir un jour avec la barbarie de procréer, autant s'y appliquer tout de suite. Quand on demandait à Thalès de Milet pourquoi il ne voulait pas faire d'enfant, il répondait très justement « par amour pour les enfants ». Très grande leçon de sagesse et de bienveillance à méditer longuement. Now, to the people who want to discover more on the topics, I warmly recommend the book of the German philosopher Karim Akerma, entitled Antinatalismus, ein Handbuch. It's a masterpiece and a real goldmine on antinatalism
antinatalism, the new philosophy of love and compassion. Thank you. Okay, thank you very much.